l'une des filles de colonel Claude Pivet Granco doit intervenir concernant le cas de ses frères. Je vous ai dit, depuis l'attaque de la maison centrale, le neveu et le fils à Granco, Koï Koï, qui sont détenus, ni les avocats, ni les membres de la famille, personne ne sait où se trouvent les enfants aujourd'hui. Donc, une fois encore, et leur sœur, l'une des filles à Granco, elle va encore passer ici, nous dire qu'est-ce qu'elle en sait sur le cas de ses frères. Donc, je vais l'appeler sur WhatsApp, et si elle prend, et nous allons la poser des questions concernant ses frères. J'espère que vous entendez. Si oui, voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Damo. Zena, vous allez bien? Oui, je vais bien. Voilà. Et vous? Ça va, Alhamdoulilah. Comme j'avais annoncé Dieu merci. concernant le sort de votre frère, donc ce soir, une fois encore, nous allons parler de ces jeunes détenus arbitrairement par le pouvoir en place. Donc, qu'est-ce que vous en saviez depuis la dernière vidéo sur le sort de vos frères? Bonsoir à tous. Allô? Oui, on vous attend. On vous entend très bien. Je commence par saluer le public. Ok, Bonsoir à tous. merci. Aujourd'hui, concernant mon petit frère et mon cousin, mon petit frère Koui Koui Pivi, mon cousin, À l'autre, c'est votre cousin et votre petit frère. Ok. et mon petit frère, Et comment l'autre s'appelle, votre cousin? mon petit frère c'est Koui Koui Pivi, mon cousin c'est Moïse Guilavogui. Ok. Aujourd'hui, j'interpelle l'opinion nationale et internationale. J'interpelle la Commission africaine des droits de l'homme. J'interpelle l'Organisation mondiale contre la torture humaine. Je fais appel au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Que si quelque chose arrive à mon petit frère, Koukoui Pivi, à mon cousin, Moïse Guilavogui, le président de la transition actuelle, Mamadi Doumbouya, serait responsable. Car la loi énoncée à l'article 121-1 du Code pénal affirme que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Le Code pénal a toujours affirmé que la responsabilité pénale ne peut résulter que d'un fait personnel. Maintenant, aujourd'hui, les deux jeunes sont innocents. Ils vivent ni dans le même quartier que notre papa, ni dans la même maison que notre papa, qui a un problème aujourd'hui avec la justice. Les deux ne sont pas des militaires. Ils n'ont jamais suivi formation militaire. Aujourd'hui, Mamadi a pris mon petit frère. Je sais que tu as mal. Mamadi Efforce-toi, efforce-toi, pardon. Ne pleure pas, efforce-toi, parle. Pardon. Ne pleure pas. Je sais que c'est difficile. Les enfants n'ont rien à voir dedans. Voilà. Législation pénale.
Mamadi est un président. Aujourd'hui, il a pris les deux enfants, les envoyer jusqu'à Kassa pour partir les maltraiter, pour partir les faire subir tout ce dont ils ne méritent pas de subir. Aujourd'hui, c'est ça qu'ils sont en train de faire sur ces deux enfants. Aujourd'hui, moi, j'ai peur que quelque chose arrive à mon petit frère et notre cousin. Mmh. Car avec toutes ces tortures qu'ils subissent, sincèrement, je suis désespéré. Sans oublier aujourd'hui l'ex-femme de mon père qui a aussi été injustement enfermée. Wow. Étant souffrante, elle se retrouve en prison juste parce qu'elle a une fois été la femme d'un PV. Ah, donc l'ex-femme de ton père aussi, aujourd'hui, elle aussi, elle a été arrêtée. Oui, elle est à la maison centrale depuis longtemps et puis elle est malade. Vous entendez ça? Vous entendez? Aujourd'hui, beaucoup de nos parents sont enfermés par Mamadi Doumbouya. Une seule personne a problème avec la justice et toute sa famille, amis et connaissances sont privés de leurs droits. Ce n'est pas bien de nous torturer à cause des erreurs de notre père. Si réellement ils ont preuve, ils ont quelconque preuve contre notre père, mon petit frère, mon cousin et notre père, maman, n'ont pas à payer le prix de ça. Non. Si réellement nous sommes dans un état de droit où la protection humaine est considérée, les enfants n'ont pas à payer les erreurs de leur père. Mmh. Mamadi Doumbouya a dit aujourd'hui qu'il est en train de mettre fin à l'injustice. Et pourtant, il est en train de le commettre sur nous. Il veut même condamner d'autres personnes qui ont juste menotté des bandits, disant que c'est un crime. Tandis que lui, en train de blesser, frapper, torturer les enfants innocents qui sont très très loin d'être criminels. Alors, je vais lui poser une question. Si attacher un bandit est un crime, alors torturer un enfant innocent, c'est un crime avec préméditation. Si réellement attacher un simple bandit ou bien torturer un bandit est un crime, maintenant torturer des enfants innocents, moi je considère ça comme un crime avec préméditation. Le pire, j'ai l'impression que Mamadi Doumbouya prend plaisir en torturant ses enfants. Il prend plaisir en torturant mon petit frère et mon cousin. Je fais appel aujourd'hui à la population guinéenne, du national comme de l'international. Aidez-nous à libérer ces enfants innocents. Ils ne sont pas coupables. Ils ne doivent pas être punis pour un délit qu'ils n'ont pas commis. Ils ne doivent pas être punis pour un délit qu'ils n'ont pas commis ni participé. Aujourd'hui, je prends l'exemple sur lui, Mamadi. Juridiquement, le coup d'État est un acte illégal. Les militaires sont morts pour lui. Les enfants sont tombés dans les manifestations. Les militaires portés disparus. Mais malgré cela, aucun individu n'a pris responsable les enfants de Mamadi ou l'un de ses parents à cause des actes que lui il a posés. Yeah. Au cas où il veut continuer à interner mon frère, qu'il nous montre les preuves qui peuvent justifier que ces deux doivent rester enfermés dans un camp militaire sur l'île de Kassa. Les enfants étaient en ville, en prison, au camp des forces spéciales. Mamadi a pris mon petit frère, un enfant innocent, un élève, pour les envoyer maintenant à Kassa, derrière nous, comme si c'était des criminels, des simples élèves. Parce qu'aujourd'hui, le seul argument qu'il peut consentir pour justifier l'enlèvement des deux jeunes, c'est parce qu'ils vivent dans la famille du PV. Parce qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas autre justification. Partagez le cœur. Qui prouve que les deux
leurs enfants méritent d'être emprisonnés. Il n'y a pas autre justification. Maintenant, la seule justification qui peut consentir pour justifier l'enlèvement de ces deux, c'est parce qu'ils vivent dans la famille du PV. Et cela est vraiment dommage et ridicule. C'est dommage et ridicule. Sincèrement, l'acte criminel que l'État guinéen, que Mamadi Doumbouya est en train de faire subir à mon petit frère, mon cousin et ma marâtre, les uns innocents, ça me laisse croire qu'ils sont habiles à commettre autre crime que ça. C'est-à-dire, il est capable à commettre autre crime que ça. Koukoui est un jeune homme qui peut faire des mois sans voir papa. Aujourd'hui, il est entre la vie et la mort. Notre cousin qui est quitté au village pour venir rendre visite à la famille avec sa maman, il s'est aussi retrouvé dans cette caverne aujourd'hui. À cause du torture que mon frère et mon cousin ont subi devant ma tante, a poussé ce dernier aussi à tomber malade. On l'a même envoyé se traiter à quelque part. Allah. Voir son enfant se faire déchirer le corps avec la lame. Non, sans faute, ne pleure pas. Donc, moi, tu sais, je ne savais même pas que votre marâtre aussi est en prison pour les mêmes problèmes. À part notre marâtre, je peux dire que les membres de famille, il y a plus de 4, 5, parce qu'il y a une de nos tantes vers Kagulo aussi, son fils qui est parti en forêt pour se traiter là, lui aussi il a été arrêté. Sa maman aussi en train de pleurer là. Tous les membres de nos familles, les personnes qui ont une fois connu notre père se retrouvent en prison. Les uns qui n'ont même pas accès à notre père se retrouvent aujourd'hui en prison. En prison, je me demande comment mon petit frère vit là où il est, je jure, là où je suis aujourd'hui comme ça. Je me demande ce qui va bien. Mon Dieu. Je me demande ce qui va bien. Aujourd'hui, nous, on est dessus, on regrette. On regrette tout ce qui se passe comme ça. On ne s'attendait pas. Parce qu'on pensait qu'on était dans un pays du droit. On pensait qu'on était dans un pays du droit. Maintenant, comment nous sommes en train de payer aujourd'hui le prix de quelque chose qu'on n'a pas commis? Moi, exemple, je vis dans la peur. Je vis dans la peur. Je n'arrive pas à voyager dans la paix. Je n'arrive pas à me coucher dans la paix. Chaque semaine, je change le pays. Chaque semaine, je voyage. Je quitte de l'autre côté. Je viens de l'autre côté. Je risque de devenir folle. Je réfléchis comment je disparition de mon papa. Comment digérer disparition de mon petit frère. L'enlèvement de mon petit frère. Mon cousin, ma marâtre. Les cousins qui se sont retrouvés en prison juste parce qu'ils connaissent. Ils ont né dans la même famille que nous. Pourquoi nous, notre famille doit souffrir? Pourquoi nous, les enfants, on doit souffrir tandis qu'on ne connaît rien dans l'armée? On ne connaît rien dans tout ce que se passe dans la politique. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, là, je te parle comme ça, je trempe mon corps chauffe. Parce que chaque instant qui passe, chaque minute qui passe, je me dis que je vais me faire assassiner, je vais me faire tuer. Même quand c'est un inconnu qui touche à ma porte ou bien qui prononce mon nom, j'ai peur, je dis que la personne a été envoyée pour me faire du mal. J'ai peur de tout le monde. Je n'arrive même pas, c'est-à-dire je n'arrive pas à oser m'approcher aux gens. J'ai peur, je suis perturbé. Là où je suis perturbé. Je risque même de perdre ma vie. Je risque de non, sois faute. Avec des messages de menace, les trucs que je reçois, j'en ai marre. Aujourd'hui, que les gens nous aident, qu'on se débrasse dans la main de Mamadi. Que les gens nous aident à quitter dans ce problème. Si Mamadi, si notre papa est avec Mamadi là où il est, ils n'ont qu'à régler leur affaire en tant qu'adultes. Nous sommes des enfants. On ne sait pas ce qui se passe entre eux. Nous sommes des enfants qui nous épargnent. Notre vie est en danger dans la main de Mamadi Doumbouya. Qui nous épargne. Qui nous épargne. C'est ça que je vais dire aujourd'hui à le gouvernement guinéen.
à la population guinéenne, qui nous aide, mon petit frère, qui s'en sort dans la main de Mamadi. Mamadi Doumbouya n'a qu'à libérer mon petit frère. Il n'a qu'à libérer mon cousin. Il n'a qu'à libérer notre belle-mère. Elle est ex-femme de mon père. Ex-femme. Plus de 5 à 6 ans de divorce. Elle est là-bas pourquoi? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle est malade, elle a diabète, elle est là-bas enfermée. C'est ça, je me dis, mais tu sais pas ce que... Non, j'aimerais te poser quelques questions. Est-ce que depuis que ces jeunes ont été arrêtés, ta marade de l'autre côté de la maison centrale, est-ce que vous avez pu contacter des avocats pour pouvoir faire des démarches pour libérer ces gens-là? Il y a plus de 5 avocats. Personne ne veut prendre le dossier. D'autres, même quand je l'ai dit, je suis la petite telle, je veux que la personne commence à rire au téléphone. L'autre fois, même, je me dis, j'ai failli devenir folle. Je t'appelle. Cette personne me considère comme une folle. Et je t'appelle pour quelque chose pour nous aider à libérer mon petit frère. Et à rire au téléphone. Il commence à rire. J'appelle un autre aussi. Il faut nous aider pour qu'on puisse savoir au moins où se trouve le papa. La personne aussi commence à rire. Il raccroche au nez. Donc moi, je suis fatigué à contacter les avocats. Je demande à la population guinéenne aujourd'hui de nous aider. De nous aider pour que le petit frère, mon cousin et ma marraine, Attends une minute. Les inconscients qui sont là sur le live là. Elle est venue, elle a dit ce que son père a fait, ça n'engage que son père. La justice, elle parle de ses frères. Vous les inconscients, vous qui parlez. Elle n'est pas venue ici pour défendre son père. Elle parle de ses frères qui sont innocents. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Elle parle de ses frères. Qu'est-ce que ses frères ont fait? Mais je me demande, le Guinéen, c'est quoi le problème? Ce que Claude Pivi a fait, qu'est-ce que ses enfants ont à voir dedans? Qu'est-ce que ses enfants? Koï Koï n'est pas militaire. Son cousin dont elle parle n'est pas militaire. Des innocents. C'est de ça qu'il s'agit. Même en matière de loi. Donc quand vous venez, vous mettez des commentaires bidons. Écoutez ce qu'elle est en train de dire. Elle a commencé par ça. Ce que son père a fait, ça c'est son père. Ils n'ont qu'à régler ça entre eux. Mais les innocents, c'est de ça qu'il s'agit. Mais vous venez rempli de haine. Tel a fait ça, tel a fait ça. C'est pourquoi ce pays n'avance pas. À cause de la haine que vous avez au fond de vous. Vous combattez l'injustice. Et vous voyez l'injustice. Oh non, parce que l'autre a fait ça. C'est ses enfants. Regardez-moi des gens comme ça. À un moment donné, il faut changer de mentalité. Mais vous êtes tous remplis de haine. Vous êtes tous remplis de haine. À un moment donné, il faut changer. Les enfants n'ont rien à voir dedans. Voici un imbécile qui est là, que Prince Gassama. Que Claude Pivi a fille. Ça, c'est une justice. Hein. Ça, c'est une justice. Hein. Mamadi qui a tué le 5 septembre. Je ne voulais pas rentrer dans ce contexte-là. Mamadi a tué le 5 septembre. Quel est le sort de Mamadi? Aujourd'hui, on parlait de Guido Fulbert. On a arrêté Guido Fulbert, incarcéré Guido Fulbert. Ça fait combien d'années que Guido Fulbert? Le procès aujourd'hui, on le libère, on l'envoie en prison. C'est qu'on reproche à Guido Fulbert qu'il aurait menacé le régime d'Alpha Condé. Et ceux qui ont enlevé le régime du président Alpha Condé, ceux qui ont tué la garde présidentielle du président Alpha Condé, quel est leur sort? Bande d'idiots. Bande d'inconscients. Donc vous savez que ces gens-là, c'est des bandits qui nous gouvernent. De quelle justice vous parlez? De quelle justice vous parlez? Aujourd'hui, vous n'avez pas vu le procès de Guido Fulbert. On le reproche que non, il aurait fait des menaces au temps d'Alpha Condé. Mais celui qui est venu attraper Alpha Condé... Lui-même en personne, Mamadi Doumbouya, il sait que l'offense de chef d'État est un délit. C'est-à-dire le coup d'État est un acte illégal. Et surtout qu'il a aussi versé le sang des innocents à son prise de pouvoir. Mais malgré son pouvoir illégal, est-ce que les parents de ces victimes ont offensé sa famille? Non.
Personne même ne parle de sa famille. Parce que les règles de la responsabilité personnelle n'est pas respectée en Guinée. C'est pourquoi aujourd'hui, mon petit frère et les autres sont en prison là-bas. Quand la responsabilité pénale est retenue à l'encontre de l'individu qui a personnellement commis l'infraction, et aujourd'hui, nous, on est en train de... C'est-à-dire, on est en train de vivre calvaire, on vit dans la peur. D'un moment, l'ex... peut-être les hommes vont retrouver non. Nos corps dehors. Parce que pour ne pas... Menacés, nous-mêmes, ils ne sommes pas en Guinée. Pardon, pour ne pas te couper la parole. Ce que mon ami veut aujourd'hui, il n'a qu'à nous dire... C'est-à-dire, s'il veut que nous, les enfants, nous, pour se assurer, groupe qui nous tue ensemble, il peut le faire. Là, parce qu'il ne faut pas que nous aussi, on vit maintenant dans la suspense, dans la souffrance. Elle n'est pas venue ici pour défendre son père. Elle n'est pas là pour parler du procès de... Elle n'est pas là pour parler du procès de son papa. Elle ne parle pas du sort de son papa, ni de vernis. Elle parle des innocents qui sont là-bas. Mais le Guinéen est tellement rempli de haine. Sa Marat, qui avait divorcé avec son père, qui n'était même pas ensemble. Parce que oui, évasion de la prison, est-ce que c'était un coup d'État? Aujourd'hui, toute sa famille, ses cousins, ses proches, des innocents, c'est de ça qu'il s'agit. Vous qui dites que vous combattez l'injustice, là, elle n'est pas là, on n'est pas là pour défendre Granco ici. On est là pour parler des innocents qui sont détenus, qui sont torturés. Sa Marat qui est à la maison centrale, sans jugement. Et aujourd'hui, aucun avocat n'ose même dire il va prendre le dossier là. Donc ça veut dire que nous ne sommes plus dans un État. Hein. Nous ne sommes plus dans un État. Il n'y a pas de justice. Nous sommes avec des bandits. Nous sommes avec des gangsters. Nous sommes avec des hors-la-loi. C'est Mamadi qui est la justice. C'est lui qui nomme le ministre de la Justice. C'est lui qui nomme le procureur général. Il fait tout ce qu'il veut. Donc, arrêtez de mélanger les choses. Hein. Écoutez très bien ce qu'elle est en train de dire. Ok, ma soeur, quel est votre dernier mot? Voilà. Et qu'est-ce que vous avez à dire à ces dirigeants-là comme dernier mot? Moi, mon dernier mot, c'est ça que je viens de dire. Mamadi Doumbouya n'a qu'à libérer les enfants-là. Je dis et je répète. Le cas de mon papa, partout où il est, s'il est avec Mamadi Doumbouya, là où il est, à la présidence ou bien à Kassa, je ne sais pas, ils n'ont qu'à régler leur affaire entre eux. C'est-à-dire, si j'ai un problème de justice, de quoi avec entre eux, ça c'est entre eux. Nous, on ne veut même pas savoir rien entre eux. Qu'est-ce que se passe entre eux. Voilà. Si notre papa mérite quelque chose, c'est entre eux. Moi, mon petit frère, Kouikou et Pivi, il n'a qu'à nous aider à le libérer. Mon cousin, Moïse Kilavoki, il n'a qu'à nous aider à le libérer. Ma belle-mère à la maison centrale, il n'a qu'à nous aider à le libérer. Parce que ce sont des innocents. Ils n'ont rien à voir avec tout ça. Ce sont des innocents, ils n'ont qu'à nous aider. Mais au cas où ils ne veulent pas les libérer, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire s'ils ont commis un crime que nous, on ne sait pas, qu'ils nous font voir les preuves justifiées. Oui, ça cause ça. Mais on ne peut pas prendre, tu ne peux pas venir dans la maison de quelqu'un qui n'a pas son enfant, l'envoyer l'enfermer. Ces militaires ont tiré sur toutes les maisons là-bas. Les enfants ont été embrouillés. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Donc, soit il libère les enfants-là. S'il ne veut pas les libérer, qu'il nous dise pourquoi les enfants-là sont en prison. Pourquoi les avocats guinéens ne veulent pas toucher le sujet de ces enfants. Ces enfants ont commis des crimes. Ils ont tué quelqu'un. Parce que si tu vois que les avocats ont refusé de toucher ce dossier, c'est qu'il y a quelque chose derrière le dossier. Il y a un avocat même qui n'a pas... C'est-à-dire... qui ne m'a pas caché, il m'a dit directement que lui, sa main n'arrive pas au point de prendre ce dossier. Ce qui veut dire qu'on les a interdits. On les a interdits. Bon. Aidez-nous auprès du gouvernement guinéen, Doumbouya, de libérer mon petit frère, mon cousin, ma marraine. Les autres membres de la famille, il n'a qu'à les libérer. Le problème qu'il a, c'est avec notre papa. Et ça, on se mêle. Même pas votre papa, c'est avec Vernis. Parce que votre papa,
était un prisonnier. Il a un problème avec Verny, même pas votre papa. On dit qu'ils ont vu Verny en Guinée. Nous, on n'a pas preuve de ça. C'est eux qui ont dit qu'ils ont vu Verny à la maison. Nous, on n'a même pas preuve de ça. Et puis, on n'en parle pas. Ce n'est pas notre problème. Il n'a qu'à juste libérer les enfants. Là. C'est ça seulement qu'on le demande aujourd'hui. Au cas où, c'est-à-dire son souhait, c'est de voir tous ceux qui portent la, le nom privé, tous ceux qui portent ce nom, les tuer, c'est ça son souhait. Qu'ils nous fassent regrouper ensemble et puis finir avec nous. Là, notre âme va partir, se reposer de l'eau de là. Là, ça, au moins, on peut être tranquille. Non, tout sauf ça. Vivant. Dans notre tête, on sait que demain ou après-demain, on peut nous tuer à quelque part. On peut peut-être annoncer que notre petit frère ou bien notre cousin a eu quelque chose. Donc, pour éviter tous ces stress pour nous, là, qu'ils nous disent réellement ce qu'ils veulent ou bien qu'ils libèrent les enfants là pour nous. C'est ça notre souhait aujourd'hui. C'est ça mon dernier mot. Vraiment, du courage, ma soeur, et du courage. Et je crois que si les gens là vraiment. Et vous êtes venu pour aider la population guinéenne, les enfants de Claude Pivi, son ex-femme, n'ont rien à voir, son neveu, ils n'ont rien à voir dans l'affaire. Là. C'est entre militaires. Verny, c'est un militaire. Et Granco, c'est un militaire. Mamadi, vous êtes des militaires. Force spéciale. Militaire. Voilà, entre militaires là-bas. Voilà, réglez entre vous là-bas. C'est vous qui dirigez le pays aujourd'hui. Vous recherchez Granco, mais laissez les innocents. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi j'ai dit à ces inconscients, ceux qui sont venus là, vous êtes tombés sur le live, vous n'avez pas écouté. Elle n'est pas venue ici pour parler de son père. Elle parle de ses frères. Voilà, c'est son sang qui est là-bas comme ça, son petit frère. Son cousin est là-bas aussi. Sa marate est là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça. Si vous avez la réponse, dites. Est-ce que ce que Granco a fait ou bien Verny a fait, on doit punir ses frères ou sa marade pour ça? Non. C'est que nous sommes dans quel monde? Qu'est-ce que la justice guinéenne dit? Est-ce que si quelqu'un commet un crime ou une faute, on doit aller prendre toute sa famille? Demain, si la justice doit interroger Mamadi, est-ce que ses enfants, ces innocents-là, qui n'ont rien à voir dans l'affaire là. Est-ce que les enfants de Mamadi Doumbouya, on doit les... Ou les enfants de Idi Amin, les enfants de Amara? Hein? Donc, merci beaucoup ma soeur. Vraiment du courage. Et merci. N'hésitez pas si vous voulez toujours passer. Et bonne soirée. Ok? Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Ok. C'est l'une des filles de Granco. Voilà. Nous vous dirons pas où elle est, mais elle intervient souvent sur la page de Benito et elle est venue. Vraiment, le cas de ses frères l'inquiète beaucoup. Depuis l'attaque de la maison centrale, des innocents, si c'était des gens qui se reprochaient, ils n'allaient même pas être où ils étaient. Des innocents qui sont arrêtés sans procès. Aucun avocat aujourd'hui ne peut même parler de ces gens-là. Vous avez bel et bien entendu. Aucun avocat. Aucun avocat. Ça dit, ah, les Guinéens, c'est pourquoi je vous ai dit, depuis l'avènement du 5 septembre, je vous ai dit, beaucoup de Guinéens vont se mordre les doigts. Je l'avais dit. Parce que les gens n'ont pas analysé la situation. Parce qu'ils ont regardé, oui, Alpha Condé, troisième mandat. Ils n'ont pas regardé comment Mamadi a fait son coup d'État. Depuis l'indépendance, on a eu des militaires en Guinée. Ça a toujours été des revendications, des négociations, l'ensemble a compté. Mais prendre des armes contre l'armée guinéenne, la présidence allait tuer des gens, c'est Mamadi Doumbouya. Depuis que Mamadi a mis, on a intégré Mamadi dans l'armée, les forces spéciales ont été créées, ça a été l'injustice. On a arrêté les New Cham, les De Gaulle, Monsieur Condé et ses enfants à Kindia. Combien de militaires ont été tués? Mais je l'ai dit aux Guinéens, les gens n'ont pas compris. J'ai dit, ce type, c'est un bandit, c'est un gangster, Mamadi Doumbouya. Mamadi, c'est un bandit. Mamadi l'a dit, qui n'a pas d'état d'âme. Quand quelqu'un, ça dit quelqu'un qui dirige les biens de tout un peuple. Et ce bandit a le courage de dire,
Moi, je n'ai pas d'état d'âme. On dirait que l'État, ça l'appartient. Il tue, il n'a pas d'état d'âme. Il va faire le sale boulot comme ils sont en train aujourd'hui, les médias. Ce que le régime du président Fakonde n'a pas fait. On est venu, ils en ont parlé. Est-ce qu'on peut parler de démocratie sans la liberté d'expression? Sans parler de la presse? La famille, je crois que tout le monde a consommé. Et je vais dire encore à nos frères, ressaisissez-vous. Moi, personnellement, il n'y a pas quelqu'un qui a attaqué Guirassy que moi, Espace que moi. Moi, Ansou, vous le saviez bien. Mais si vous voyez que moi, j'ai mis bas la tête, parce que j'avais observé les choses, j'avais compris qu'ils sont revenus à la raison. C'est pourquoi j'ai arrêté de les attaquer. Je les attaquais pour qu'ils reviennent à la raison. Et la presse aussi critique Mamadi pour qu'ils reviennent à la raison. Ça sert à quoi, vous qui avez critiqué hier? Vous les avez critiqués pourquoi? Pour qu'ils reviennent à la raison. Ils reviennent à la raison et vous aussi, vous devenez comment? Maintenant, vous voulez les rejeter. Et comment est-ce que ce pays-là peut avancer si des gens ne font pas de sacrifices, si des gens ne s'acceptent pas? Tu entends les gens, ah non, 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 c'est bien fait pour eux, ils ont fait ceci, cela. Toi, dans ta vie, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, Shaitan est là. Vous priez pourquoi? Sinon, on fait la fornication, on commet beaucoup de choses qui sont illicites, que Dieu même condamne, mais il nous dit, tant que on revient à la raison, on lui demande pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne. Vous n'allez pas pardonner les autres. Vous allez dire, oui, c'est bien fait. Donc, moi, je vous demande, ressaisissez-vous. On a besoin d'unité aujourd'hui. On a besoin, même regardez les artistes. Regardez tous les artistes aujourd'hui, ils sont en train de... Pourquoi ils disent Lamine Guirassy? Pourquoi ils disent Abakar? Parce que Lamine a fait la promotion de certains. Lamine a aidé certains. Aujourd'hui, vous allez voir des artistes, je ne dis pas de nom, mais vous allez voir des artistes aujourd'hui, soutien du courage à Lamine Guirassy. Ça, c'est la reconnaissance. Et c'est ce que Dieu recommande. C'est ce que Dieu nous recommande. Quand quelqu'un vous fait du bien, d'abord, lui, le créateur, d'être reconnaissant envers lui et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. Quelqu'un vous fait du bien. Moi, c'est pourquoi je dis, toutes les personnes que Mamadi a nommées, moi, je n'ai rien contre eux. S'ils veulent, ils n'ont qu'à chanter Mamadi. Mais le jour qu'ils vont ouvrir leur gueule pour dire, ah, Mamadi a fait bien, c'est ça, on va parler maintenant. Du temps d'Alpha et maintenant. Mais c'est toutes les personnes nommées par Mamadi, tu peux chanter le nom de Mamadi, moi, je n'ai rien à foutre. La reconnaissance. Et c'est ce que les artistes font aujourd'hui, beaucoup. Donc, je demande, Tunkara Baba, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Vous ne gagnez rien du tout. Vous avez combattu, Mamadi. Si les autres reviennent aujourd'hui pour combattre, toi, tu vas combattre les autres là. Il y a quelle logique dans ça? Où est la logique dans ça? Toi, tu cherches à renforcer, c'est-à-dire à convaincre les autres. Vous nous suivez pourquoi? Nous, nous parlons. Nous parlons à votre place aussi. Le combat que nous faisons, c'est vous. Vous partagez nos lives. Vous likez. Ce que nous faisons, ça vous plaît. Mais de la manière dont vous vous comportez, nous, si on se comportait comme ça, c'est qu'on n'allait pas parler des forces vives. C'est que aujourd'hui, de la manière dont Mamadi, ils ont peur, ils n'allaient pas avoir peur. Parce qu'ils allaient dire le peuple est divisé. Et tout pouvoir, c'est ce qu'ils veulent, la division. Il faut que vous arrêtiez à un moment donné. Ressaisissez-vous. Il faut qu'on se pardonne. Ok? Ce que les journalistes là viennent de faire en une semaine, contre ce pouvoir là, exposer tous leurs magouilles, les rappeler ce qu'ils ont dit hier, nous devons les féliciter. C'est à cause de tout ça là. C'est à cause de tout ça. C'est pas parce qu'ils ont soutenu Doumbouya qu'on a fermé. C'est parce qu'ils ont critiqué ce que vous, ce que nous, nous avons commencé depuis hier. Alors vous, vous allez dire c'est bien fait. Non, franchement, réfléchissez à certaines choses. C'est pourquoi moi, je ne m'entends pas avec certaines personnes. Il faut être logique dans ce que vous faites. Il faut être logique dans ce que vous faites aujourd'hui. Parce que demain, ça peut vous rattraper aussi. Voilà.
Donc, pardonnez, pardonnez, changez de comportement. Changez. Changez de comportement. Moussa Nabe, voilà, Aissatou Diallo, Papirumba Diallo, merci à tout le monde. Continuons à sensibiliser les gens. Il est temps qu'on vienne ensemble. Qu'on se lève ensemble contre ces bandits-là. Les Guinéens sont fatigués. Les Guinéens sont fatigués. Tout le monde est fatigué aujourd'hui. Tout le monde est fatigué. D'autres ont été victimes. Le RPG arc-en-ciel a été victime de ce coup d'État. Même ceux qui ont cru aux propos de ces gens, aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont compris. Donc, on doit marcher ensemble, unis, face à un petit clan. Même l'armée, ce n'est pas toute l'armée. Je l'ai dit, c'est 4 personnes. Idi Amin, Bala Samoura, Amara et Doumbouya. C'est les 4 personnes. 4 personnes. Tous ceux qui prennent des décisions, c'est les 4. Et les 2 autres, c'est des gendarmes. Idi Amin est un gendarme. Bala Samoura est un gendarme. Amara était qui dans l'armée guinéenne? Il était qui? C'est maintenant là. Ils viennent de se bombarder. Ils viennent de se bombarder. Voilà. Et moi, je ne vais pas vous répondre. Vous qui dites qu'il n'y a pas de volume, ça c'est votre affaire. Et il y a beaucoup de personnes qui regardent. Si vos téléphones ont des problèmes, vous savez que mes pages sont attaquées par tous les moyens. Donc, c'est à vous de sortir de live et revenir. Déjà que vous voyez, il y a plusieurs personnes qui suivent, ne parlent pas et ne m'énervez pas pour ne pas que je vous bloque définitivement. Voilà. Si vous avez un problème de volume, vous regardez, il y a combien de personnes dans le live. Les autres arrivent à écouter et je parle même fort. Vous voulez que je fasse quoi? Donc, essayons de renforcer les rangs, pardonnez. Arrêtons les UFDG, RPG, Alpha Condé, Selou Dalé. Alpha Condé a 86 ans. Selou Dalé a combien, plus de 70 ans, non? Sidi Touré, pareil aussi. Donc si on est là toujours, des querelles inutiles, UFDG ou problèmes ethniques, c'est la Guinée qui est foutue. C'est le seul pays qu'on a en commun. Les biens de l'État appartiennent à tous les Guinéens. Donc, il faudrait que certaines personnes arrêtent. S'il n'y a pas d'entente, la Guinée est foutue. Aujourd'hui, regardez, c'est des vauriens, des arrogants, des bandits. Aujourd'hui, ils sont en train d'acheter. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit aux anciens dignitaires? Acheter maison à l'étranger. Ils ont tous aujourd'hui 2 ou 3 maisons à l'étranger. Mais pourtant, on a reproché aux anciens dignitaires tous les maux. Ils ont tout dit sur les anciens dignitaires. Pourtant, eux, ils ont trouvé beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Ils ont tout dilapidé. C'est ce qu'ils ne veulent pas que les journalistes exposent. Les contrats de gré à gré. Les contrats de gré à gré. Toi qui parles de micro, moi j'ai tous mes équipements ici. J'ai déjà tout. Les appareils, j'ai tout acheté. Mais je suis en train de travailler sur quelque chose. Voilà. Personne ne m'a sponsorisé ou dire acheter. J'ai déjà acheté tous les équipements, ça y est là. Donc, quand je serai prêt, je vais tout lancer. Micro, amplificateur, j'ai tout. J'ai déjà tout acheté. Donc, je ne me presse pas. Et quand je vais finir, vous allez apprécier. Voilà. Vous me voyez ici, je suis dans Uber en train de travailler matin, midi, soir. Voilà. Donc, vous qui vous plaignez là, micro, achetez un micro, vous dites, Damaro, j'ai acheté un bon micro pour toi. Là, maintenant, si tu ne m'entends pas bien maintenant, là, tu vas dire, Damaro, il y a quoi? Le volume. Hein? Ceux qui vont dire encore, image, c'est pas bon là. Là, vous achetez encore des jolies caméras, vous m'envoyez. Maintenant, là, si c'est pas joli, ou bien, celui qui va dire, ah, Damaro, faut pas porter polo, il faut porter veste. Tu achètes beaucoup de vestes, tu achètes beaucoup de vestes, tu m'envoies. Si je ne porte pas veste, je ne porte pas cravate, tu dis ce que je t'ai acheté là, il faut m'envoyer. Mais vous vous plaignez tout le temps. Donc, acceptez souvent. On refuse de faire certaines choses.
On abandonne certaines choses pour mener ce combat. Si vous saviez, par jour, moi, je reçois combien d'appels. Je me force souvent, je suis au boulot. Je suis obligé. Mon application Uber, j'éteins pour les problèmes de la Guinée. Qui me paye? Je ne vais plus en boîte. Je peux voyager, hein, mais j'évite certaines choses. Il faut comprendre cela. Quand vous venez, il faut être doux aussi envers nous. Mais ne nous énervez pas. Ne nous énervez pas. On le fait pour la patrie. Il y a des gens qui sont plus éloquents, plus instruits que moi, qui peuvent faire ce que je suis en train de faire. Mais ils n'ont pas le courage. Donc, si vous ne voulez pas encourager les gens, tout le temps, c'est vous qui êtes là à vous plaindre de certaines choses. Franchement, ce n'est pas encourageant. Vous devez nous encourager dans ce que nous sommes en train de faire. Moi, je ne parle pas de ceux qui sont contre, qui viennent saboter. Mais vous qui dites à le son des trucs, efforcez-vous si les autres arrivent à nous suivre, faites-le. OK? Donc, merci à tout le monde. On est ensemble. Le rendez-vous demain à Washington. Tous ceux qui veulent voir le général demain à Washington. Il y a des gens qui disent, si tu es garçon, nanani, nanana. Awa, l'homme, il le dit demain, le garçon, je serai de côté, je serai à Washington demain. Il y a l'Interstate qui est là-bas, tournoi, Interstate, les Guinéens de partout vont venir là-bas. C'est aujourd'hui, ça commence. Mais moi, le général 5 étoiles, j'ai décidé d'aller demain, Inch'Allah. Voilà, donc, comme le disent certains, on se perce demain au terrain. Je vous ai dit le cas de Guido Fulbert. À la dernière minute, on a appris qu'il aurait retourné en prison. C'est pas. Moi, je vous ai dit, il n'y a pas de justice. Hein. Oubliez. Seule la force, seule la lutte libère. Moi, je vous ai dit ça depuis longtemps. Vous qui êtes en train de parler de justice, justice. Mais des gens qui ont tué, vous allez parler de quelle justice? Des bandits qui ont pris les armes. Il y a eu des coups d'État dans le passé. C'était pas des armes qu'ils ont pris. C'est des présidents qui sont morts, les militaires ont pris, on peut comprendre. Eux, ils peuvent partir. Mais des gens qui ont tué pour prendre le pouvoir, sachez que c'est des bandits. C'est le terme, c'est-à-dire c'est le mot qu'il faut dire. Mamadi est un bandit. Le CNRD, c'est des bandits, c'est des gangsters. On doit les combattre. On ne négocie pas. C'est quelqu'un qui est venu dans la négociation, qui part dans la négociation. Mais celui qui est venu par la violence, on a toujours dit, celui qui règne par les armes, périra par les armes. Mamadi va finir comme Samuel Doe. Mamadi va finir comme Robert Guéhi. Mamadi va finir comme Samuel Doe. Il va finir comme Robert Guéhi. Wallah, quand les militaires vont lui prendre, ils vont finir avec lui. Lui, il est conscient. Le président Alpha Condé qui était civil, là, lui, il n'avait pas mis des murs en béton devant le palais. Mais le bandit, il sait que c'est un bandit. Comme dans les films bandits. Regardez dans les films bandits, comment les bandits chefs, c'est leur résidence. Comment ça y est? Mamadi est un bandit. Est-ce qu'il a été élu? Arrêtez le co-président. Un bandit comme ça, je ne sais même pas ce que Diomaye Faye va foutre avec un bandit comme ça, là, comme Mamadi Doumbouya. Bonne soirée à tout le monde. Momoba, merci à vous. Mbembat Keita, merci. Fatmata Keita, merci à tout le monde. Voilà. Aissatou Diallo, merci. La famille. Bana Bana, merci à vous. À tous les patriotes. Nimbas, merci. Sekou Papus Kourouma, merci à vous. Dalaba Kassia, merci à vous. Merci à Molaï Mary Bidli Kamara, merci à vous. Merci à Junior Kante Bari Mamadou Ba Dupavé, merci. Mohamed Yannick, merci à vous. Merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi le live. Voilà, on est ensemble. Chérif Haïdara, merci à vous. Merci à Ibidino Diallo, merci. N'oubliez pas de vous abonner sur Général 5 étoiles. Voilà, les jours à venir, quand je vais finir mes installations, mes lives maintenant, je vais le faire à partir de l'autre. Maintenant, je vais partager sur les deux autres pages. Mais pour l'instant, vous pouvez me suivre sur cette page, ma Guinée d'abord. Voilà, parce qu'ils ont mis trop de virus. Soum le révolutionnaire, voilà, j'avais vu ton message, essaye de te calmer, voilà, laisse les médias là, il faut les soutenir, si vous êtes contre l'injustice, il faut continuer à combattre l'injustice,
On ne se réjouit pas pour dire, voilà, ils nous ont fait ça. Non, il faut être grand. Mettez-vous au-dessus de tout ça, là. Voilà. Sako, Abraham, Khalil, merci. Alcène Diallo, Alpha, Sharaf, Diakité. Si vous voulez que les Guinéens soient ensemble, il y a de ces propos, vous devez éviter. Soyons toujours, voilà, positifs dans ce que nous faisons. Mais si on est là tout le temps à dire, voilà, ils nous ont fait ça, on a fait ça, nanani, on n'ira nulle part. Voilà. Faites des sacrifices, souvent dans la vie. Faites des compromis. Il y a certaines choses, oui, ça vous fait mal. Gardez pour vous-même. Mettez de côté et vous allez voir tout de suite. Il n'y a rien de si beau que si les Guinéens se parlent, si on s'aime, s'il y a l'injustice contre Mamadou, que tout le monde se lève contre cela. S'il y a l'injustice contre Nyako et que tout le monde se lève contre cela, je crois que vous allez voir la Guinée, on va changer. Mais si on est toujours dans des propos qui nous divisent, c'est ce qui fait que nous sommes en train de traîner aujourd'hui. Mais de la manière que qu'on se lève tous maintenant, celui qui viendra à la tête du pays aura peur parce que le peuple est uni. Nous nous battons pour les mêmes idéaux, contre l'injustice, le respect, en tout cas de tout ce que ces gens-là sont en train de faire aujourd'hui. Demain, personne n'osera le faire parce que le peuple est unanime et le peuple est soudé. Je crois que c'est ce qui va nous aider, c'est ce qui va développer la Guinée.